Ah, on vient enfin d'arriver sur l'île, dis donc, qu'est-ce que c'était dur! Ça nous a pris au moins 2 jours le temps que l'autre épisode sorte et tout, enfin, ouh, c'était long. Ouh là là! Bah, ouh! Et le port là-bas est un peu détruit, ça n'a aucun sens, il n'était pas détruit la dernière fois. Qu'est-ce qui a été détruit? Le port, Ah! la Oui. magie de l'ellipse. Oui, c'est vrai. Ellipse no Mao. C'était nul. Alors. Oui, allez. Montons dans le Montons. phare, parce que c'était un peu ce qu'on est venu faire à la base. À la base. À la baise. Ça, c'était complètement raciste. Non, c'était une tentative d'imitation un peu nulle à chier, hein. Oui. On s'excuse, voilà. Je. Attention, attends. Allez, salut. Attends, re. Donc finalement, on a fait une petite ellipse parce que y a la maman de Simon qui l'a appelé. C'est pas du tout vrai en fait. Non, on a fait une ellipse parce que... Gâteau. Voilà. Allez. Rentrons. Non, 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 ça te. Chat! Lui ferme la porte, non! Oh non, non! On ferme les portes quand même! Non, Vas-y! non, 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 C'est non! Ken! Oh! Oh, c'est quoi? C'est quoi ce C'est trop truc? facile. Mec, il m'a looté 12 cuirs. Oh, attends! Oh, ça se mange! Mais donne-en un. Donne-en un. J'ai peur! Bouché dessus! Position fœtale! Ah ouais, tu fais des bruits bizarres. Vas-y, donne-le-moi, j'en veux un. Fire 3! Donne des Donne-le-moi! destinations terribles! J'en veux! J'en veux fêter! On va donner là. Bah non. Ah bah si, j'en avais 7 et il m'en reste plus que 3. Ah bah là, y a rien par terre. Mais regarde dans ton inventaire. Bah non, j'ai rien. Putain, on s'en est fait voler! Bon, attendez, là, clairement, j'ai le droit de me mettre en créatif. C'est Alors. nul à chier, tiens, t'en as droit. Ah bah non, je les ai récupérés. Pfff, what the kind Ah oui, of d'accord, course. donc en fait, t'as un peu triché. De toute façon, j'aurais jamais retrouvé après ça. Mais non, attends, il m'en restait que 3, j'ai Ah, rappuyé c'est sur. de la mythe! Ah oui, c'est zéro. Attendez, je vais courir un peu. Il va faire nuit. On C'est s'en dans la fout, tête. on est C'est dans la bandits. tête! Parce que clairement, on joue pas pour qu'il fasse nuit. Nom nom nom. Alors, Fear. Oh, c'est un cœur. Fear 3. Bon, y'a rien qui T'entends se les bruits passe. de battement de cœur ou pas? C'est trop bien fait. Ouais, mais c'est nul. Arrête, c'est carrément trop bien. Peut-être qu'en survie ça fait pop des mobs. Peut-être que ça fait pop des mobs tout court, mais vu qu'on est en non-spawn. Spawn, qu'est-ce que j'ai dit? Mon tête comme mon invité. Oh! Ah mec, c'est hôtel d'invocation. On peut invoquer un mob à partir d'ici si on a un mage invocateur. Bref, donc si on a un mage invocateur, on peut appeler un mob ici, mais ça coûte cher à crafter cette merde. C'est relou sur 20. Bref. Bitch! Oh, c'est toi le Cache sataniste! ta femme à ma way, bitch! Pardon. Je peux casser? Ah si, ça se casse. Très lentement. Ah! Ah mais non, c'est bon, ça a pas fait mal en fait. What the kind of shit is this? En fait, j'ai Attends, ramassé comment une j'ai pipe dessus? dans mon bateau. C'est pas du tout vrai, j'ai juste changé d'arme. Attends, j'ai 2 shields maintenant, c'est quoi ce délire? Me. Alors là, je demande remboursement intégral du jeu, hein. J'étais censé avoir un truc carrément stylé. J'étais censé avoir une démonique truc, machin là. Et j'ai 2 shields, regarde. Ah non. Non. Allô? Oui, non, mais je regarde. Je regarde tes. Non, mais j'ai perdu ma faux en fait. D'accord. Mais là, je suis. Elle est revenue. Qu'est-ce que c'est que cette merde, putain, mais what the fuck? Et là, j'ai perdu mon shield. Oh, bordel. Fuck. Bordel. Je suis parti dans une autre dimension, je reviens. Moi, je t'attends pour revenir. Voilà, c'est bon. C'est bon, je suis Ce sont revenu. des choses qui arrivent. Quand on est en direct, on n'est pas du tout en direct. Je vais vous demander un truc, mais ça va faire très, très, très pas du tout professionnel. C'est pas français. C'est bon, j'ai toujours ma faux, ça me va. Ok, très bien. Donc en fait, t'as trouvé tout ça dans le coffre au KLM. Bah, il était là. Bah, oh, il se balade. Écoutez, moi je le prends. Hein. Bah, moi je trouverai bien un truc un jour. Du coup, je vais tanker. S'il y a Allez, des choses. montons. Oh, c'est sûr, Attends moi par attends. contre parce que c'est moi qui tank hein monsieur. C'est un peu relou, tu vois, la vente tout le monde, un peu chiante. On la Oh connaît j'ai bien tous. envie de sauter là. Tu fais ce que tu veux avec la Non tour. mais pas oh quand Tu fais pas. ce que tu veux. Pas de ça entre nous hein. Ok, non, moi je vais redescendre. Ça ira Ah très bien. je suis tombé, j'ai même pas fait exprès. Y'a quoi en haut putain de bordel de what the fuck? Attends, je t'attends. Ça, je t'attends. Eh mais Je t'es nul l'attaque. toi en fait. T'es humain Non, toi il a toi. fait tomber des. Non! 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 Non!
Non, non, et non, putain. Ah, je l'ai. C'est des Infinity Orbes rouges. Et j'ai eu des Infinity Orbes bleus. Et il y a un livre que je vais lire pour faire RP. Attends, j'arrive. Attends. Non, je vais monter à la main. Oh, est-ce que je peux lire? Non, attends, j'arrive. Parce que je peux pas t'entendre là en RP. Le mec il triche complètement. Ah, c'est vrai. T'as bouffé les deux Infinity Orbes. Par contre, c'est quoi cette orbe verte, violette? Ah, mec, t'as mangé les deux Infinity Orbes? Ça se mange? Non, mais besoin qu'une. Partage. You have gained a blue skill point. Oh, cool. Prends-en qu'une parce que je te rappelle que les points bleus et rouges ils sont différents. Bah, j'ai tiens. Poup. You have gained a red skill point. Parfait, donc en fait, voilà tout simplement, j'ai incorporé ça dans les boss du PEX, tout simplement. Et appuyez sur Y, ça c'est un truc qu'on avait oublié de montrer. What? Donc là, on peut augmenter nos compétences. Moi, je vais augmenter les dégâts. Ouais, je vais pas prendre Tom Pairing parce que déjà de base, avec un autre mode, je prendrais pas de dégâts de lave ni de feu donc. Ouais. Moi, je vais prendre protection. Je vais prendre protection. Niveau 5. Voilà. Cause 24 XP. Ok. Et après, je vais prendre 135 genre. XP, putain. Je vais prendre genre dégâts, je pense. Chance to find additional items when harvesting blocks. Moins de damage, je sais pas. Furnaces are reduced, melt 1.06 faster. None of the time, ok. Moins de knockback quand tu. Oh, ça c'est cool, parce que si jamais je shield, je prendrai moins de knockback. Bah pourquoi pas, ça peut être bien. Je vais prendre le level 1, 2, 3. Ok, j'ai eu 1% de chance de tuer les ennemis qui ont moins de 20% de leur. Enfin, moins de 20 points de vie. C'est un peu nul, mais c'est déjà ça. Ok, donc je suis passé en gardien level 7. J'ai augmenté mes dégâts avec les épées. J'espère que c'est considéré comme une épée, ma pipe. J'imagine. Je vais être un leaper. C'est un leaker qui a peur. Il est un peu lourd. Moi, Reaper, j'ai pris aussi. Je suis niveau 4 en Reaper, niveau 2 en Swordman et niveau 5 en protection. Parce que la protection, on en aura besoin. Bah, moi, je suis 5 en protection et 7 en guard. En steady guard. En gros, moi, je suis fou tanky. Mais ça, c'est quoi vraiment? Enfin, que je prenne aussi du protection face au feu, moi. Ça, bah, on dirait mec un portail, moi je le détruirais si j'étais moi. Arrête, je te mets pas devant. Je sais pas si on peut le casser, j'essaye. Ah, c'est bon. Ça se trouve, il vient de là le mec. Hein. C'était peut-être Ignorus. Je sais pas, peut-être. Bref. Non, je vais lire. Je te laisse lire. Pendant ce temps-là, je vais regarder ce que c'est ça. Attendez, je me prépare. Il y a un truc dedans, j'essaie de tout caser dedans. Quand vous voulez, monsieur. Vas-y, vas-y. Ignorus est mort. Je vais sceller ce livre pour que quelqu'un reprenne la suite si je meurs. Il me suffit d'ouvrir le portail, comme il me l'a indiqué, pour faire revenir mon père. Je n'ai pas la force nécessaire pour ouvrir le portail. Je vais donc avoir besoin de la force d'un Dragon Slayer. Je vais tendre un piège à ceux qui ont tué Ignorus pour absorber leur puissance. Voilà. Ouais. La déception. Non, mais on n'est pas des Dragon Slayer, mais oui. Mais si, on en est. Moi, en tout cas, j'en suis un perso. C'était pas prévu, ça. C'était pour ajouter un peu d'épicness. Allez, je vais manger. C'est bon, il y a une vitre. Vas-y, je mange du Chewbacca, monsieur. Chewbacca. Tu permets que je fasse une référence? Vas-y. Tu me vois, là? Oui. Vers l'infini et l'au-delà. C'était nul. C'était nul. Oh, plus jamais quoi. Attends, j'ai une idée, je vais tenter. Attends. Donc, Ignorus, je prends moins de dégâts en tombant avec mon shield. Eh, 5 secondes, donc Ignorus c'est mort. Oui. Et ah, bon, on a rien. Et donc, c'est qui a pété la ville? Aucune idée. Ah, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Depuis le début, c'était lui, c'était Zeref, le mec qui vient, il vient de nulle part. C'est le mec qui arrive de nulle part, il fait c'est moi, Hokage Samades. Mais c'est Martine, la salope. Depuis tout ce temps, c'est que maintenant que nous nous rendons compte de cette chose. Martine nous a trahi. Quelle infamie, comme on dit dans le milieu de l'infamitude. Moi, je t'invite à ce qu'on ressorte. Bah, j'arrive. Wait.
Je réfléchis aussi à autre chose. Mido, plus jamais je me suicide. Vous voulez Mido, ah, de cœur. Mido, je n'arrive pas à fermer ma phrase. Vous voulez absorber la puissance magique qu'on avait. Donc il a attaqué l'église pour nous tendre un piège. Mais il a fucked up. Ça fait pas très RPG comme ça, hein. Bah oui, mais il a fucked up. Complètement. C'est vrai, c'est vrai. Ah non. On a laissé Natsu là-bas. Oh bah oui, j'ai failli perdre mon bateau. Ah mec, je crois qu'on a fait de la merde. Je crois, là, on a fait un peu de la merde. Ah bon? Pourquoi? Bah on a laissé Natsu là-bas. Où ça? Bah avec Mido. Ah ouais, quand même. Bah tu te souviens pas, on s'était enfuit, elle les lâche. Bah y'a Yerza alors aussi du coup. Ouais. Oh, on s'en fout d'elle, c'est pas une Dragon Slayer. Bordel. Oui bah Natsu, à la base il baisse tout le monde Natsu. Bordel. Allez monte. Oh puis voilà, ça y est, ça servira. J'avais à ça, des blocs, hein. Je vais te les mettre. Moi je me suis pris au fil de potions de mana, hein. On y était... pendant qu'on était dans l'ellipse magique qui a duré 10 secondes pour vous et 4 ans pour nous, c'est pas vrai. Et au fait d'un truc aussi que j'ai vu, où j'avais dit oh ça c'est qu'un bloc normal hein. Pff, n'importe quoi, quelle boutade. Non c'est le bloc de la richesse. Ah ouais. Regarde-moi cette richesse. C'est censé être normal. Là, y a rien dedans. Pourquoi y'a ça dedans? Je sais pas. Bon on va se dépêcher d'aller prendre une pioche, allez c'est parti. Ouais. Miné putain t'es... Ouais, allons-y. Mais il faudrait qu'on vienne à faire les tailles pour aller choper des ressources. N'empêche, ce village détruit, ça me fait de la peine. Il faut aussi qu'on aille voir Mido, bordel. Mais attends, mais on est... Tu sais, c'est les mecs, il faut qu'on aille miner. Mais Mido est en train de détruire la ville, peut-être. On s'en fout, faut miner. C'est miner. Pas grave, Maurice. Marcus. Notre vengeance sera terrible. De toute façon, mec, le jour où il détruira la ville, je crois qu'il y aura un problème. Parce que le jour où il sera plus fort que le maître... Parce que bon, on parle de Mido, mais... Le maître est quand même extrêmement puissant, j'imagine. Et on n'est pas encore allé le voir. Oh, quand même, j'imagine. On n'est pas encore allé le voir. On va peut-être aller le faire. D'ailleurs, il est où Makarov, bordel? Bah, il est dans son bureau et on n'y est pas allé encore. C'est pour ça qu'on le fasse aussi. Il va faire nuit, je vous propose qu'on fasse une petite ellipse et qu'on se retrouve à Magnolia. Donc, à tout de suite. À tout de suite. Encore une fois, quoi, comme on dit dans le milieu aussi. Donc, du quoi, King. Nous sommes arrivés à Fairy Tail par les voies magiques du TP, c'est pas vrai du tout. En vrai, on est revenu ici par les montagnes, on n'a pas pris le train. Nous sommes des fous. On est un peu fous. C'est pour s'endurcir. Et c'est bien, parce que... Ah, oh mec. Oh alors là... Viens voir, il y a un problème, je crois. S'endurcir. Mec, c'était pas prévu. Il y a Erza, il y a pas Natsu, en fait. Oh bah, et moi je préfère Natsu qu'Erza, alors on va le chercher. Attends, on va voir Makarov d'abord. On va voir... Master. Par contre, ça, je le jure, c'était pas prévu qu'il y ait que Erza, en fait. Donc bordel, là, on a un problème de taille, je crois que c'est par ici. C'était même pas prévu dans le scénario que Erza revienne. Non, faut qu'elle revienne seule, en tout cas c'était pas prévu. Pourquoi seule? Ah, cochon. Ça c'est encore Gérard. Gérard. Oh bon, en vrai, c'est dans le manga animé japonais, enfin, dans les voix japonaises, c'est Jelal, pas Gérard. Ouais, mais en fait, ça se prononce comme ça en japonais, mais en vrai, je pense que ça... En vrai, je crois qu'ils appellent vraiment Gérard, mais ça se prononce Jelal, justement, parce que c'est trop soi. Non, non, justement, ça s'écrit Jelal, il s'appelle Jelal, mais c'est juste que les gens, ils savent. Enfin, je sais pas, parce que son nom de famille, c'est. Mais c'est pas le nom, en fait. Son nom de famille, c'est Fernandez, et t'as un acteur français qui s'appelle Gérard Hernandez. Oui, mais c'est pas parce qu'ils ont rajouté. C'est clairement une référence. Oui, c'est peut-être une référence. Oui, vraiment là, je l'ai vraiment fait. Viens voir, j'ai vraiment créé ce PNJ. Il est tout petit. Oh putain, ça. C'est trop drôle. T'as vu la gueule du maître, putain. C'est un... Oh là là, Makarov, tu fais pitié, mec, avec ton vieux chapeau de pauvre. Vas-y, je m'installe. Putain, on dirait une kippa. Bon, en fait, moi, sérieux. Je suis membre, non, mais c'est pas méchant, mais on dirait vraiment une kippa, en fait. Bon, c'est juste que c'est pas... Par contre, ça a pas les bonnes couleurs, je trouve. Et c'est peut-être un peu trop grand, c'est pas censé faire toute la tête. Ouais. Oh, tant pis. Mais bon, c'est drôle. Arrête, je me souvenais même pas avoir fait le PNJ. Déjà, quand j'ai vu sa tête, je me suis dit, oh putain. Il tient vraiment une sale gueule, hein, quand même. Hein. En tout cas, je me souviens très bien avoir refait la déco ici. Ça, je m'en souviens, avoir remplacé les sièges et tout, avoir mis les bannières. Ça, je m'en souviens. Mais attends, c'est que tu récordes pas là? Si, si. D'accord, ok, le mec. C'est moi qui fais la déco, c'est. Faut le savoir, c'est moi qui fais la déco, c'est Léo. Ah, c'est Léo. Ouais! Allez, on sort par la fenêtre. Voilà. Ouais. Bon, celui qui fait la meuf, c'est moi qui me fais le mec, hein, voilà. Pas du tout. Ok. Ah, ouais. Je vais te niquer, Quentin.
Ah, j'aimerais sauter, mais... oh merde. S'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît. Aïe. Je suis bloqué. Mais comment t'es tombé dedans, vraiment? T'as rien vu. Oh, il est chiant, lui, hein. Je pensais que c'était un raccourci. On peut pas tomber grâce à la bougie. Quelle bougie, merde. À la base, en plus, il y avait des torches, donc c'est dommage. Quelle bonne journée. Quentin. Quoi? Quelle bonne journée. Ah, je vois pas où t'es en fait. Retrouve-moi. Mais je viens de descendre. S'il vous plaît. T'as ce qu'était. Oh putain, il vient de se planter. Mais t'as du bois, c'est bon. Du mais bois. Mais non, j'ai pas de bois. Ah si, attends. Bordel, non, j'en ai pas. Ah si. Voilà, on est bien. Alors, moi je vais me prendre un. Hop. Oh, j'ai dégueulassé. Je vais me prendre des potions. D'intérieur. En régénération. Non, on doit vraiment les charger. Bordel! Je suis en train de me servir des potions, moi. Perso, je suis au bar si tu me cherches. Voilà. Même pas mal. Ah, si, j'avais Optifine. Tac, j'ai parti des dans fois, le sens. Je me dis, ça peut se servir. C'est... Ah, lâche-moi! C'est pour moi, ça! Oh, le martinier. Vas-y, j'en prends un aussi. Vas-y, c'est tout ce que je prends. Shaken. C'est quoi ça? Attends, je crois que ça, je crois que c'est. Ah, bonjour Macao, c'est pas grave si je mange un peu de ton gâteau. Ah, ça c'est utile. Voilà, merci Macao. Et moi je te dis, viens, on se met à cette table. D'ailleurs, j'ai éteint les lumières, il y a peut-être un spectacle qui arrive bientôt, je sais pas pourquoi. Mais... Regarde, mec, on peut s'installer là, ça fait notre table parfaite. Il y a deux gâteaux et tout, c'est parfait. Ça c'est notre table, on la claim. Celle-là, on la claim, c'est notre table. Avec deux on gâteaux. Du côté. On a un gâteau chacun, d'accord. Ouais, c'est parfait, c'est notre table. Bref, Natsu. c'est moi, je l'ai remplacé. Natsu, on l'a oublié. Slash change nickname Shokan Natsu. Attends, il fait nuit, on va peut-être aller dormir d'abord. Tant pis pour Natsu, il peut s'en sortir tout seul, hein, de toute façon. Bon, par contre, je suis claustrophobe, alors on va rallumer la lumière. Mais ça n'a aucun rapport. Bah si, là. Qu'est-ce qui se passe? Oh là, ça a trop bugué. On est dans une salle. Il fait noir. Ici. Voilà. Aller chercher. Il y a les dortoirs. Ah non, c'est l'infirmerie. Viens, l'infirmerie. Hein? Il manque des dortoirs. Attends. Cuisine. Non, il n'y a pas de dortoir, donc viens, on va se mettre à l'infirmerie. Je sais pas ce que plus à manger. Et viens, on va dormir. Il y a du livre. Deux secondes. Voilà. Voilà, je faisais une petite explication. D'accord. Pour que... Allez, c'est parti. Bordel, je suis dans le mur.